J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours. Il y a des jours pour et des jours pour pas travailler. Quoi, c'est con si vous êtes pas convaincu. Vous pouvez pas arriver avec la question ouverte en disant bah si, non. Je me suis un petit peu avant de. Parce que je suis en fait au chômage depuis le mois de février. Et je travaillais avant ça dans le mémorial de la Shoah, donc dans le musée juif, près de, dans le Marais en fait. Et j'ai beaucoup aimé en fait. Et donc ça m'a un petit peu, amené à découvrir un petit peu ce que je voulais faire, ce que j'aimais bien. J'aime bien travailler dans les musées, donc j'ai un petit peu regardé dans tous les musées de Paris. Peut-être pas dans la France même, mais juste dans Paris même. Et j'ai pas reçu des réponses relativement positives, donc je continue à chercher. Dans un marché contracté du travail, dans un marché difficile comme c'est le cas aujourd'hui, c'est clair, ils en ont conscience, donc ça sert à rien de leur cacher, ils le savent très bien, parce que souvent quand ils arrivent là, ils ont 4 à 6 mois de recherche derrière eux, sinon ils seraient pas là. Et le secret, c'est un bon CV et souvent des lettres de recommandation. Aujourd'hui, ça fait toute la différence. Si on a avec un CV une ou deux lettres de recommandation, mettant en avant le sérieux, la rigueur de la personne, ça fait toute la différence et c'est une porte ouverte vers l'entretien derrière. Il y a une phase de psychologie de 10-20 minutes où je ne vais pas rentrer dans le dur tout de suite et j'essaie de comprendre qui j'ai en face de moi. Donc c'est vraiment là de l'intuition, c'est vraiment un feeling de nouer le lien humain avec la personne, gagner en confiance et l'écouter parler. Et à ce moment-là, ensuite, on peut commencer à y aller, on peut commencer à creuser un peu pour la forme, c'est-à-dire pour le CV, par exemple, il faut enlever des choses, et c'est souvent trop chargé, donc c'est pas clair. Et si c'est pas clair, le recruteur, demain, il n'aura pas une vision claire de la personne ni de son parcours, donc clarifier le CV. Et aussi, et là, c'est un travail plus psychologique, passionnant, c'est travailler sur le fond, sur... Moi, j'ai comme un triptyque, c'est formation, expérience et envie. Et le but, c'est de relier les trois. Et là, on a une cohérence. Et là, on est efficace dans une recherche d'emploi. Mais ça, parfois, peut-être, c'est pas là tout de suite. Par exemple, Ayumi aussi, c'était pas là. Et on l'a créé. Là, c'est fascinant. Parce qu'en fait, elle l'avait, mais on le lisait pas, on le voyait pas. C'était trop le bordel. Donc, on a resserré et on a mis en liaison les trois. Moi, je suis assez content de ce qu'on a fait avec Ayumi. Et deuxième étape, maintenant, on doit se voir et on doit brainstormer sur les secteurs dans lesquels elle va postuler, c'est-à-dire un travail plus chirurgical, de dire elle veut être dans le culturel, on a creusé des voies et la prochaine fois on va développer ces voies-là, c'est-à-dire on va vraiment mettre en liaison de dire telle institution, tel type de galerie, tel type de truc, il y aura peut-être 50 cibles en face et là elle attaque, 50 cibles, un CV canon, des lettres de recommandation, une lettre de motivation et là elle va tout, j'espère tout gagner. Travailler. D'accord, ne compte pas sur nous. Quand on remplit son emploi du temps, et c'est fou. T'es dégoûté, tu fais une drôle.